Bonsoir. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. Il est temps de mettre en pratique ce dicton. Musique. Les prévisions pour demain matin. Nous aurons des alternances de nuages et d'éclaircies sur tout le pays, excepté sur le Nord-Pas-de-Calais, les Pays de la Loire, le Poitou-Charente, la Franche-Comté, où de la pluie sera attendue. Demain après-midi, nous aurons de la pluie sur la Normandie et sur tout le quart nord-est. Partout ailleurs, le soleil jouera à cache-cache avec les nuages. La chemise. Les températures pour demain matin. 7 à Grenoble et à Aurillac, 9 à Rouen, 11 à Lyon, 13 en Corse, 14 à Nice, attention le pantalon, waouh, 14 à Brest demain après-midi, 16 à Limoges et à Reims, 18 à Bordeaux, 23 à Montélimar, 24 à Marseille, waouh. Quoi, il y a eu un problème technique? Oh, quel dommage! Ah oui, vraiment, hein. Mais vous n'avez pas tout perdu. Ce soir, 20h55 sur Canal+, La Grande Séduction. Bonsoir. Chaque jour, retrouvez la météo avec Sun Sublime, complément nutritionnel solaire du laboratoire Fiscience. Il s'appelle Francilien. Il mesure 112,50 m et pèse 235 tonnes. Après 3 ans de gestation, il sera mis en service sur la ligne Paris-Luzarches le 13 décembre prochain. Pour donner naissance à leur dernier bébé, la SNCF et le syndicat des transports en Île-de-France ont fait appel au Canadien Bombardier. 1,850 milliard euros ont été investis, le prix de la modernité. Mais c'est un train, comme on peut voir, qui est beaucoup plus spacieux que les trains actuels. Une rame boa s'emporte entre les wagons pour accueillir jusqu'à 911 passagers et des lumières relaxantes du sol au plafond. Des lumières lumineuses, comme on peut voir au niveau du plafond, donc ce sont des plafonds lumineux qui vont varier de couleur selon qu'on arrive en gare ou qu'on va partir de la gare. Les écrans tout le long de la rame donnent une meilleure information sur la région et sur le trajet. Et ce train écomobile fait moins de bruit, il consomme moins d'énergie et il y fait toujours bon, car des capteurs régulent la température en fonction du nombre de passagers. Le train sera également accessible à tous grâce à des marches mobiles et des combles lacunes pour les fauteuils roulants. Pour plus de sécurité, tous les mécanismes sont testés depuis quelques mois. Dans 86% des cas, le signal d'alarme est tiré de façon abusive, ce qui provoque de nombreux retards. Pour une meilleure ponctualité, le système a été repensé. Le conducteur peut désormais le réarmer depuis sa cabine. Un coup d'œil lui suffit pour voir ce qu'il s'est passé grâce aux caméras placées dans toute la rame. Voilà. Donc ici, on voit bien la vidéosurveillance avec les personnes qui ont tiré le signal d'alarme. Voilà. 12 conducteurs seront formés pour prendre les commandes du Francilien le 13 décembre. Par la suite, il y en aura 550. On préfère former un petit volume de conducteurs qui sauront très bien exploiter le train. Un train plus adapté à leurs attentes, car toute la cabine a été faite en collaboration avec les conducteurs. Les conducteurs de l'établissement ont été conviés en fait pour réaliser ce travail. Parmi les nouveautés, on trouve cette poignée par exemple, qui sert à la fois pour le freinage et la traction. Le freinage, c'est vers le conducteur. Là, nous avons un point zéro. Et si on pousse, on passe en traction. Ce train du futur ne vient pas seul. Toutes les gares de la ligne H seront modernisées pour l'accueillir. Écrans d'information, mise à hauteur des quais pour les fauteuils roulants, diffuseurs de parfums et même plus. Thank you.
la météo. La météo. Somewhere deep down in my heart, I still love you. Thank you.